Bienvenue. Chaque jour, il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne MagNews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. Cyril Lignac, la présentatrice, s'est en revanche davantage concentrée sur la nouvelle venue. Et cette année, nouvelle acolyte, elle est la première femme sacrée meilleure chef pâtissière de restaurant du monde, et elle est aujourd'hui la chef pâtissière de l'Elysée. Je vous demande d'accueillir Cyril Lignac et sa nouvelle complice, Christelle Brua. Cette enthousiasmée celle qui attend son deuxième enfant, tandis que les candidats étaient émerveillés. Bien qu'ils soient habitués à rencontrer et collaborer avec des chefs prestigieux, les professionnels n'en sont pas moins émus et impressionnés lorsqu'un grand nom de la pâtisserie fait son entrée sous la tente du meilleur pâtissier. Pourquoi Virgilia a été très émue par Cyril Lignac pourtant? Ce n'est pas la présence de Christelle Brua qui a le plus marqué Virgilia. C'est plutôt en découvrant Cyril Lignac sous la tente que son sourire s'est élargi. Il faut dire que sans que le célèbre chef ne le sache, il a eu un rôle très important auprès de Virgilia et de sa passion pour ce domaine. C'est grâce à Cyril Lignac que j'ai commencé à faire de la pâtisserie, avec ses bouquins, à expliquer celle qui est en binôme avec Julien. Et de surenchérir. Donc quand je le vois sous la tente, je suis très ému et ça me touche particulièrement. L'histoire ne dit en revanche pas si la jeune pâtissière a eu le courage d'en toucher un mot avec l'intéressé. Nul doute en revanche qu'elle a profité de son parcours au sein du concours pour gagner un maximum de conseils avisés de celui qui lui a donné envie de faire ce métier.